Je suis au conseil municipal, membre du comité. Coordonnateur du comité, voilà. Pour la réhabilitation, n'est-ce pas, de l'école Soukeyna Konaré. Voilà. Vous êtes réunis aujourd'hui? Oui, coordonnateur. On s'est réunis aujourd'hui, on a appelé tout le monde. Le président du CGE, le président du conseil de quartier, le président de l'APE et toutes les personnes ressources qui sont dans le quartier. Mais on s'est réunis, on a causé, on a conclu. Vraiment, on a fait même les perspectives. Nous demandons que vraiment à toutes les personnes ressources, on n'a écarté personne. C'est vrai, l'État a prévu de réhabiliter l'école avec Pakassen, mais Pakassen, c'est en 2021. C'est un peu loin. Mais à court terme, on a décidé vraiment de réhabiliter l'école. Même la mairie l'a promis, même Aline Diop a fait une promesse ferme en disant, comme vous l'avez suivi, quand même le dimanche passé, il a dit qu'il va réfectionner les deux classes et les deux portes de l'autre classe. Donc je crois qu'on l'attend fermement. Par exemple, si vraiment il réfectionne ces deux classes, je crois que c'est à court terme, les enfants pourront vraiment quand même étudier au plus tard le 12. C'est l'ouverture des classes, donc on n'aura pas de problème pour l'ouverture au moins. Qu'est-ce que vous comptez faire justement, puisque voilà, le temps presse, d'autant que aussi, en plus de vos 400 élèves, il y a les 300 de Khayarmeng. Oui, nous comptons quand même le voir à partir de demain. Le comité va commencer à travailler à partir de demain. On va le rencontrer, on va lui poser le problème du fait qu'il avait promis de le faire. On va l'exposer. Vraiment, nous voulons vraiment que d'ici le 12, que le travail soit fini. Mais si vraiment, il y a d'autres. Il y a d'autres bonnes volontés qui nous demandent même quand même le devis, mais on va essayer de travailler avec ce devis, mais on va leur donner ça. Et puis on va demander encore tous les autres personnes ressources qui sont dans le quartier, les anciens élèves, hein, même les personnes ressources qui ne sont pas dans le quartier, s'ils peuvent nous aider vraiment à moins réhabiliter l'école, je crois qu'on est partant et je crois bien qu'on leur demande vraiment de le faire et nous souhaitons que vraiment que les enfants puissent aller à l'école au plus tard comme toutes les autres écoles le 12, Inch'Allah. Ouais, dans notre réunion, nous convoquons toutes les personnes ressources du quartier. Le maire est venu le matin pour regarder l'école. Mais nous, tout ce que nous devons faire, le quartier, toutes les associations qui nous ont dit, le conseil de quartier, le CGE, l'APE, les personnes ressources, ñepp ñi nga xamni ñoo nekk ci quartier bi ñoom lañu woowon tay ji ñu tok suñu togué ñu xol nan lañuy défaré école bi ak perspective bi lepp li nga xamni tam won nañ ko ci def fi lek dire bu gatt moy tay ji ba le 12 novembre nga xamni xalé yi fi lañuy wala jang loolu lañ doon waxtané ba suñu doom yi bañu mëna djégaani di dem yeneen école. Ah, maire ñëw na fi sank ha amna sax yu mu déggalé ci Pakassen bék ñom sen fan ngeen ci tollu ci waytaayu ouverture bi ak liggéey bi. Wa maire ñëw na fi comme ni nga waxé contane nañ ci trop parce que comme que mom moy maire dëkk bi ñuy ñaxtu toujours di wax ni école bi da fay daanu té gis nañ tam daanu na kérok yow ya fa ñëwon ba jël ñu wax wal fajiri amna au moins résultat parce que fexé na ba tay ji ñëw na fa xol gisal bopam proposer nañ tam ni nana def kënt lay katan ba defrat école bi té loolu la doon ñaan yalla vraiment proposer nañ ko né nana ka def ñu ñaan yalla au moins ñu terf ko ci dar ba nga xamné au moins xalé yi daan ci mëna jang ak yeen djégo ngeen di tek nak gannaaw bi nga xamné té ngeen ben comité fi wa djégo bi nak moy doon waxti tay ji comité bi def nañ ko légui tay le premier réunion monté nañ comité bi daanu defat benen réunion pour xol nak defar devi école bi. Nous demandons aussi à toutes les personnes ressources, ay anciens élèves nek ci quartier bi won té jang won ci école bi ba nga xamni képp lo ci mën def nga def ko pour l'intérêt de l'école bayiwunu kenn ku fi jangawul tam té nga am ce nibbel boy def ci école bi sok ci defé tam suñu intérêt lay nek parce que ñun amunu loolu école bi té école bi nga xamni ya 400 quelques élèves plus Khayarmeng yi nga xamni ñoo nga fa presque 300 élèves muy 700 quelques élèves. Tay ji suñu jangul won ci école bi ñu yobul len yenen école yaakar na dañ am problème donc yoy yep lañuy doon waxtane legui waxtane nañu ba d'accord vraiment fi les prochaine réunion ñunu yaakar ni daan ci japp
dans les sièges à partir de demain. Nous devons s'étudier, voir les projets, que nous devons faire des projets en appui avec l'État. Parce que tout le monde peut faire l'État. L'État est obligé de faire. Parce que le Pakistan, nous en novembre presque 2021, nous avons fait 4 presse écoles Tejan. Donc, si nous devons faire ça, et nous devons faire ça, nous devons faire ça. Mais quand même, la mairie va aussi faire ça. Nous devons faire ça. Yakana sun ko bolé rek inshallah yalla mënu ñu jappalé.